Imaginons, Florence, que fais-tu? Hello, ma Clay, où est-ce que tu dis la chambre de pipi? Tu le sais, il y a quelques mois, j'ai fait ça. Hello, je suis un gâteau. Et aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions dans cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus complète possible. C'est parti, on se rejoint dans la chaise des explications. Aujourd'hui, ça fait 8 ou 6 mois, je dis aujourd'hui ça fait comme si je connaissais la date alors qu'en fait pas du tout, ça fait 8 ou 6 mois que je me suis rasé la tête et j'avais envie de t'en parler. Vous avez été énormément à me poser les mêmes questions indéfiniment pendant des mois et des mois et j'y ai jamais répondu. Voilà, j'étais en mode je vais faire une vidéo. Plein de gens me disaient elle sort quand la vidéo? Elle va sortir. Elle n'est jamais sortie. Bref, la première question qu'on m'a énormément posée, c'est pourquoi tu t'es rasé les cheveux? Et il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'étais malade. Je vais bien, merci. Alors c'est simple, mon petit Wistiti, j'étais devant un dilemme. Merci Dieu du dictionnaire d'être descendu dans mon cerveau. J'étais devant un dilemme, c'était soit je laissais pousser mes cheveux et j'espérais qu'un jour ils deviennent beaux, soit je les rasais. Du coup j'ai fait un petit tableau avec les pour et les contre et au final j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, donc je l'ai fait. Voilà. Donc j'ai fait des colorations pendant 10 ans et en plus de ça en Australie, quand je travaillais dans les melons, quand je prenais les melons en main, j'avais souvent les cheveux qui venaient dans ma gueule et au lieu de juste faire ça parce que j'avais une queue de cheval, donc dans tous les cas, il y avait pas de raison, ben je faisais ça avec mes mains, sauf qu'en fait les melons, je le savais pas, mais ils étaient nettoyés avec de l'ammoniac et donc tous les jours je mettais de l'ammoniac sur mes cheveux sans le savoir et ensuite j'allais au soleil et donc quand je suis revenue d'Australie j'avais les cheveux dégommés jusque là. En Australie, vous vous souvenez, j'ai coupé mes cheveux à l'arrache jusqu'ici, j'avais fait une vidéo et ensuite en revenant en Belgique je m'étais coloré les cheveux en bleu et ensuite je les ai coupés jusque là et je m'étais fait une petite capoule, sauf que même en coupant mes cheveux jusqu'ici ils étaient toujours explosés et là je me suis dit putain, allez, on va laisser peser, on va raser tout ça. Donc voilà la raison, j'étais pas malade, j'étais pas déprimée, j'étais pas en train de mourir, tout va bien, j'ai juste rasé ma tête. Ensuite vous êtes beaucoup à me demander à quelle vitesse mes cheveux poussent et si j'ai des astuces pour les faire pousser plus vite. Alors mes cheveux poussent à une vitesse totalement normale puisque je les ai rasés il y a à peu près 8 mois et que voilà, ils en sont ici, donc je pense que c'est correct. Et j'ai essayé aucune astuce de pousse pour le moment parce que je voulais savoir à quelle vitesse ils poussaient de base pour ensuite faire un test. Au niveau de la pousse, ça a été assez catastrophique hein, parce que quand ça pousse de 8 cm ici, ça pousse également de 8 cm ici. Donc si j'avais pas recoupé mes cheveux, j'aurais un mulet dégueulasse à peu près à cette hauteur-là. Donc il faut savoir que je suis déjà passée par deux mulets. On est très contents. J'ai pris les ciseaux, je l'ai fait moi-même. C'était très moche, alors j'ai demandé à quelqu'un de le refaire par après. Donc d'ici quelques mois, j'aurai un petit carré. Question suivante, c'est quoi ton longueur goals? Tout le monde me demande à quelle longueur je veux arriver. Et là, pour le coup, je veux des cheveux jusqu'au nombril. J'ai vraiment envie d'avoir de très longs cheveux en bonne santé. C'est vraiment le goal ultime. On en a encore pour 10 ans. Alors maintenant, la question, c'est mon avis sur les cheveux courts. Est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'aime pas? Et franchement, je kiffe. J'adore. C'est génial. Faut savoir que quand je me suis rasé la tête, déjà, je me suis marrée. Vous l'avez tous vu dans la vidéo. J'étais genre morte de rire. C'est rigolo, je ressemblais à une couille. Bref, c'était super marrant. Le lendemain matin, je me suis vue dans le miroir. J'ai fait genre... J'étais genre, qu'est-ce que j'ai fait? Mais au final, ça m'est très très vite passé. Dans la journée, je me suis directement habituée à ma tête. Tout le stade de pousse, en fait, s'est passé à merveille puisqu'il n'y a pas un seul moment où j'ai regretté. Même quand j'avais des coiffures de merde, bah je m'en foutais. Et si vraiment ça me saoulait, je portais une perruque tout simplement. Nickel! Donc honnêtement, avoir des cheveux courts, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve que ça me va bien et je suis plutôt contente. Le regard des gens! Au début, quand je me suis rasé la tête à blanc, quand j'allais en ville, on me regardait avec pitié. Alors sachant que en gros j'étais en bonne santé, j'allais bien et on m'avait pas forcé à me raser la tête, on me regardait avec pitié et ça m'énervait. Alors je me suis mis à la place des gens qui sont malades et qui ont pas le choix de se raser la tête. Mais comment ils doivent se sentir en fait? Parce que vous imaginez pas l'impact que votre regard peut avoir sur les gens. Il faut pas regarder les gens avec pitié parce que c'est blessant en fait. C'est extrêmement blessant de voir quelqu'un qui a pitié de toi et qui dit « Oh mon Dieu, elle est malade, elle va mourir. » Mais
nique ta mère. En fait, le problème avec ce genre de regard, c'est que tu dis par tes yeux à la personne qu'elle devrait se sentir mal, ou qu'elle devrait être triste, être malheureuse. Et c'est mauvais en fait, c'est négatif, c'est néfaste comme regard, et il faut vraiment que vous y pensiez. Ne regardez pas les gens avec pitié, qu'ils soient malades, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient en train de dormir sur le sol. Jamais, c'est vraiment pas gentil. Et ça, j'ai vraiment pas apprécié du tout en n'étant pas malade. Donc en étant malade, j'aurais vraiment pété un plomb, je pense. Donc voilà, le regard des gens, j'ai pas aimé du tout. Après, il y a aussi eu les remarques. Est-ce que t'es en dépression? Est-ce que t'es malade? Est-ce que t'as le cancer? Est-ce que tu vas mourir? Non, je suis juste une femme avec les cheveux rasés. Et bizarrement, quand un mec se rase la tête, on lui pose pas ces questions. J'ai pas aimé ça du tout. Le regard des hommes a énormément changé sur moi. Il faut savoir que si je porte une perruque ou si je porte pas, la personne va se comporter totalement différemment avec moi, parce qu'apparemment j'ai l'air plus douce et plus gentille quand j'ai des cheveux longs. Mais en fait, je suis exactement pareil que j'ai des longs cheveux ou pas. C'est juste que quand j'ai des longs cheveux, ça se voit pas que je suis un petit monstre à l'intérieur. Il faut avouer quand même que me raser la tête, ça m'a rendu beaucoup plus forte, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi que j'avais pas avant, parce que j'ai appris à m'apprécier telle que je suis. Peu importe comment on va me regarder, peu importe ce qu'on va me dire, je suis moi. J'en ai rien à foutre des autres et je suis bien. Et c'est vraiment quelque chose qui est arrivé une fois que je me suis rasé la tête. Honnêtement, je suis quelqu'un maintenant qui s'assume à 200%. Je me sens hyper bien dans ma peau, je me sens très très bien dans tout. Je suis ultra focus sur le côté professionnel, le côté voilà ce que je veux dans la vie, où je veux aller, est-ce que je veux voyager, dans quel pays, qu'est-ce que je fais, etc. Je suis méga méga focus, nickel. Tout va bien, j'ai vraiment le regard dans la bonne direction, le corps dans la même direction. C'est extrêmement satisfaisant, et encore une fois, c'est arrivé à partir du moment où je me suis rasé la tête. Avant de me raser la tête, j'avais un gros problème de confiance en moi. J'étais très dépendante affective, c'était insupportable, c'était invivable. Et une fois que je me suis rasé la tête, niquez vos mères, j'en ai plus rien à branler, vivre seul c'est le paradis. Le bonheur. Dernière question, c'est à refaire, est-ce que je le referais ou pas? Et la réponse c'est 1000 fois. Ça a été ultra positif, ça n'a apporté que du bien dans ma vie, un changement incroyable. Et si je pouvais vous conseiller, si voilà, vous hésitez depuis longtemps à vous raser la tête, ben allez-y, vraiment, rasez-vous la tête, rigolez devant votre tête de couille et apprenez à vous aimer tout simplement tel que vous êtes, sans rien, juste vous à poil, sans poil, enfin peut-être avec des poils, en tout cas sans cheveux, on s'est compris, ça va. Bref, mon TV City, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à mon Instagram, à tout ce que tu veux. Je crève la dalle, donc je suis trop contente que cette vidéo soit terminée. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à n'importe quand dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut !